Et ok, et salut à tous, c'est Recalcos, et on est parti pour une nouvelle saison consacrée à Diablo 3. Ça y est, la nouvelle saison a commencé depuis hier, le 23 à 17h. J'ai à peine eu le temps de commencer. Malheureusement, on va avoir une petite phase de leveling, sauf si on PL avec de la chance. Mais bon, c'est rare que ça arrive. Et en général, ça arrive hors stream, c'est arrivé que la saison précédente. Mais en tout cas, une chose est sûre, cette saison devrait se passer aussi bien que la saison précédente, qu'il y ait ou non du PL. Pour la simple et unique raison que je vais vous montrer tout de suite. Non, c'est pas ça. Déjà, je me trompe. Les hauts faits, s'il vous plaît. Merci. Alors, les conquêtes de la saison, comme toutes les saisons, hein, évidemment. Donc le termine acte 1 à 5, je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai toujours pas, je manque de personnes. Une feuille supérieure de niveau 75 en solo. Alors avec le nouveau stuff, ce sera le test. Normalement c'est jouable maintenant. Ensuite le grand frisson, terminer une feuille supérieure niveau 45 en solo sans être équipé d'aucun objet d'ensemble. Je l'ai déjà fait, je peux le refaire. La malédiction de tuer au moins 350 mobs dans un événement du coffre maudit, je remontrerai pour la xième fois comment on l'a fait avec le chasseur de démons. Et enfin, le maître de l'univers, malheureusement, comme je vois qu'il y a le grand frisson et divinité plus malédiction, je le ferai pas cette saison, même si en général je finis dans un top. C'est bête, mais ça prend énormément de temps, malheureusement, je n'ai plus le temps pour ça. Mais bon, vous avez compris la strat au niveau des conquêtes, au niveau du périple. Normalement, ça ne devrait pas changer. Je ne sais toujours pas encore les boss, etc. Parce que je ne suis même pas encore niveau 70. Donc, ça va prendre un peu de temps. Et évidemment, il y a toujours ces systèmes du cube où il faut mettre au moins 40 pouvoirs. Il faut au moins un gemme légendaire niveau 50 pour pouvoir créer une arme ancienne améliorée. Et la faille 70, bon, il y en a une 75 en conquête, donc c'est jouable. Les trois gemmes qui doivent être, je sais plus, je crois, doivent être niveau 70. Hein. Depuis récemment, ça, c'est 70. La faille T13 en peu de temps. Tuer un boss en un minimum de temps en T13 aussi. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Et un donjon de 7 à maîtriser. J'ai l'embarras du choix. Vous savez, comme je l'ai dit, je suis top. J'ai déjà été top 300 et top 700, il me semble, dans les saisons précédentes avec cette conquête-là, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Je crois que c'est à peu près tout, donc la strat est toujours la même, mais pour l'instant, il y a toujours cette phase très chiante, étant donné qu'on est le lendemain du début, évidemment, et que j'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui. J'étais en tournoi, donc il va falloir que je travaille. Par chance, j'ai déjà fait tout ce qui est chiant, à savoir faire toutes les quêtes au moins une fois. J'ai fait une faille. J'ai été chercher le cube, donc là pour l'instant c'est plus monter au plus vite niveau 70. Puis après commencer à récupérer les loots, hein, c'est la partie la plus chiante. Hein. Donc là pour m'occuper malheureusement, au lieu de jouer en public, parce que c'est assez hard de jouer en public à ce niveau-là, faut vraiment quelqu'un qui PL en général. Toujours jouer à plusieurs. Sinon, c'est que des failles, c'est long, c'est pénible. Donc là, ce que je vais faire pour occuper, c'est que cette saison-là, juste pour cet épisode, après, je sais pas si ça a marché ou pas. Là, il faudrait que je vérifie un des boss. Je sais plus si en difficulté normale, il le donne ou pas. Et qui plus est-ce que c'est obligatoirement niveau 70 ou pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais aller récupérer tous les autres objets. Il y a juste un objet que j'aurai probablement pas. Alors, je suis en difficulté difficile. Bon, ça fait un peu perdre du temps, mais bon, au moins ça fait XP. Alors. Là, je vais prier quand même. Il n'y a rien. Alors. Je suis quand même monté assez élevé pour faire du tir multiple à gogo, je suis content. En plus, le set de cette saison, c'est le set qui me plaît pas. Vu que le chasseur de démons a le droit au mantelet de l'ombre et le féticheur a le droit au jade. C'est ceux que j'aime pas, malheureusement. Et ça arrive une fois tous les 4 ans. 4 saisons, pardon, tous les 4 ans. Faut bien qu'il y ait ce set tôt ou tard, de toute façon.
Et je crois que la prochaine saison, c'est Maraudeur. On va attendre la saison 14 pour jouer Maraudeur. Sauf que quand même, j'aurais dû le faire cette saison-là, je dois l'avouer. Mais j'aurais dû le monter hier. C'était de jouer un féticheur pour changer, parce que vu les objectifs, à part le coffre maudit qu'il faut que je m'entraîne à le faire avec le féticheur, je crois que je pouvais tout faire. Faire une faille 45 avec un féticheur, c'est jouable. Et avec les boosts qu'il y a eu à la saison précédente sur les ensembles de 7, ça aurait changé les choses. Au lieu de voir toujours un chasseur, enfin de me voir toujours avec un chasseur démon. Je vais pas tout fouiller, apparemment il y est pas. Hop, on va passer au niveau suivant. La cour du manoir. Voilà, je crois que vous avez compris ce que je suis en train de faire là pour essayer de m'occuper. Acte 2. C'est le plus chiant. C'est le plus chiant, mais c'est pas le plus dur. Toujours adoré l'Oasis. Ouais, cool. Moi, j'aurais pas fait ça pour rien. Bonus XP. Et c'est la poisse. Alors, est-ce que c'est l'entrée? Ça a l'air d'être l'entrée, ça. Vérifier. Ah, quoique. Non, c'est pas l'entrée, donc parfait. Parfait. Pas pourquoi j'ai. Parfois j'ai des petits lags, mais. Mais sans que ça lag, ça fait bizarre cette saison-là. Mon perso, il va pas vouloir attaquer alors qu'en fait il le fait et il n'y a pas de drop, rien, hein, tout va bien. Le drop bleu, j'en ai plus besoin vu mon niveau. Hammer. Blue jaune, je prends. Allez. Évidemment, je. Priorité aux dégâts, je m'en fous de l'endurance. C'est pas le plus important. Surtout en phase de leveling, c'est chiant. Donc plus vite je les tue, plus vite j'enchaîne, plus vite je peux level up. Ah, c'est mal parti ça. C'est mal parti. Ok, alors, dernier lieu. Quand même vérifier de temps en temps si on tombe sur un groupe de luck. C'est rare, mais ça m'est arrivé une fois que je regardais en T6 s'il y avait du monde, j'ai vu qu'il y avait du monde, en fait c'était un type 70 qui était en train de PL son petit groupe et qui ont joué en public, c'est fait que j'ai été PL grâce à eux. Ça arrive rarement ce genre de truc. En général quand on fait du 60. Ça, j'ai pas trop compris ce principe-là, c'est que au lieu de PL directement niveau 70, non, il était en train de PL à leur niveau de difficulté, à savoir niveau. Je sais plus, je crois que j'étais niveau 40, j'ai vu ça. Bon, moi ça m'a arrangé, ça m'a fait gagner du temps, mais. J'ai pas trop compris pourquoi ils ont pas fait en 70 en mode bougez pas, en 2-2 vous avez tout ce qu'il faut. Nul. Évidemment, comme toutes les saisons, j'ai pas compris pourquoi le premier loot légendaire c'est la couronne de Léoric. Oh.
Faut dire que c'est l'un des premiers qui se débloque, donc c'est logique que si vous lootez du légendaire quand vous êtes niveau 8, c'est la couronne. Ah, arbalète par contre je prends. Moins 22, ok, finalement je poubelle. Et alors cette saison j'ai eu beaucoup de mal. Hein. J'ai eu beaucoup beaucoup de mal, c'était limite j'allais acheter un marchand, un arc, parce que pendant les 5 premiers niveaux, j'étais en train de me regarder lutter à tuer les mobs parce que j'avais juste mon arc de base, il voulait pas me donner d'armes. J'avais donné une lance une fois, mais ni moi ni mon templier en profitaient. Donc, bam, 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 bam. Saloperie de chaîne. Loot jaune, on est content. Pierre. Toujours une partie de plaisir cette phase. Je rêve où j'ai vu des coups critiques. Plus d'un 4 damage. Niveau 39. Ça, combien de damage? À 2000 déjà. Putain, bonjour. Le jeu me troll. Alors ici, je cherche le boss. Le beau boss de monsieur. Ah bah parfait, c'était lui que je cherchais. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Perdu, ok. Hop. Hop. Va aller voir en public, savoir s'il y a du monde. Alors, partie publique, pas les primes, non. Les failles. En tourment, il y en a. Ah, il y en a 5 quand même. Et en T6, il y a 0, évidemment. T5, il y a du monde. Oh, il y a du monde en T5. Ah, je suis un malade. En espérant que je tombe sur du bon. En T5. Il va en chier grave. Hein. Ça peut être drôle hein, de voir ça. Bon, déjà, il y a de la file d'attente, donc c'est mauvais signe. Je sais pas pourquoi il y avait 105. Et il a créé une partie. C'est mort. On se casse tout de suite. Voir en T1, savoir s'ils sont capables de s'en sortir. Ah, pourtant, il y a du monde. Hein. T4, il n'y a personne. Ouais, c'est un bug. T3, il n'y a personne. T2, ah, il y a du monde. 112 tout pile, je suis dans la merde, quoi. Et ouais, c'est ça le problème. C'est le gros défaut du jeu. Les 70 niveaux, ils sont chiants pour ça. Les niveaux 39, tu vas chercher du niveau 39, c'est pas possible. C'est pour ça que je dis, vous êtes vraiment obligé de jouer avec des amis en privé, pas en public, c'est pas possible. C'est très rare. Il n'y a que à partir du niveau 70 où tu t'amuses vraiment, la preuve. Bon, je tente une dernière tentative en T1. Normalement, j'ai beaucoup plus de chance. Le truc est tellement buggé, à coup il y avait du monde, à coup il y en a deux. Personne en T1. Il y a soi-disant du monde en T5, mais c'est pas vrai, la preuve. Bon, on va refaire une petite séance de. Ouais, sinon j'aurais déjà été dans un groupe depuis longtemps. Mais... Allez, privé, c'est reparti. Non, patasse! Donc je refuse de faire la même en T5. Hein.
Tout seul, non, c'est pas possible. Trop long. Bien tenter ma chance en T1 vu que je vais à la cathédrale. Et encore là, il y a une grosse différence entre le difficile et le tourment. Wow, incroyable, je fais zéro dégâts, c'est incroyable. Ou quoi que, j'ai l'impression de jouer en Faille 70 avant l'époque. Il lag. Ah, on casse pas la chaîne! Ah, faut surtout pas casser la chaîne là. Non! Je me suis eu. T'inquiète pas, la tourelle crash flamme, elle fait son taf. Oh non! C'est nul, j'ai cassé la chaîne. 55 mobs. Ah, qu'est-ce que je voulais en T1? Je serais content de tuer 15 zombies. M'embête, c'est que voilà, chaque level up que je vais faire, ça va augmenter la difficulté encore plus. Oh, l'expert mécanique. Mais bon, si c'est pour booster uniquement les towers, c'est... Ah non! Dans la merde! La merdouille totale, ça. Ils ont la foudre et tout. Vas-y. Non, 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 pas sur moi. Cassez-vous. Cassez-vous. Cassez-vous! Bonne nouvelle, je suis niveau 40 normalement. Normalement, à ce niveau-là, ça va. Ils n'ont pas encore tous les pouvoirs, c'est à partir du niveau 50 que ça va se compliquer vraiment. Je rappelle que les pouvoirs des élites dépendent de deux choses. Le nombre de pouvoirs, c'est des paliers, donc je crois que c'est niveau. Je me trompe pas. C'est par rapport à l'ancienne version. Hein. C'est comme ça que je reconnais environ hein, aux alentours de ces niveaux-là. Je crois que c'était le niveau 30, il me semble. Après, c'est 50 et après, c'est 60. Si je me trompe pas, c'était ça les seuils pour avoir 2, pour avoir 2, 3 et 4 pouvoirs. Et la deuxième chose, c'est que après, je sais plus les compétences qu'il débloque. C'est pour ça que dans les premiers niveaux, vous avez souvent des pestes et des dresseurs de murs ou de la téléportation. Mais petit à petit, vous voyez qu'ils ont des pouvoirs supplémentaires. C'est parce qu'ils se débloquent à certains niveaux. Vous pouvez pas rencontrer, par exemple, une arcane ou un obusier au niveau 10, alors que au niveau 20, ouais, vous pouvez avoir. C'est l'entrée. J'ai plus qu'à aller chercher la sortie. A l'air d'être une... On est tout nettoyé, je suis en tourment. Pense que l'endroit où je pourrais me faire vraiment plaisir pour XP, c'est... Bon, à part le PL, hein, et le fait de jouer des failles en public, en solo, je dirais, c'est plutôt d'aller partir sur... Là, on fait la conquête des 50 millions. Quand on essaye de choper Adria sur le chemin. Je crois que ce niveau-là, avec, on peut faire des chaînes de malades. Les mobs, ils sont pas trop chiants parce qu'ils se repopent. C'est juste des démons. Il y a beaucoup de scorpions surtout. Ah non, non, non. Là, il y en a un normalement. Même pas. Même pas. Deux fois, d'accord. Je me suis eu. Pourquoi pas. Allez, encore 30 niveaux, on va bien se marrer. Ah, surtout quand on va aller à l'Oasis, en tourment 1, c'est cool.
Ouais, il y a déjà du monde qui m'attendait. Qu'est-ce qu'on est bien? Et vraiment pas de chance, souris. Ce ne sera toujours pas la saison pour eux. Pour avoir ton bâton du Bouvier. Que je fasse gaffe, il y a les deux. Ah! Là partout! Oh, les chamans, ça va être chiant, non! C'est vrai qu'ici, il y a les chamans. Et allez, il y en a un! Ça me rend pris au sol. Bon, après, c'est combat infini, laisse tomber. Meurs, mourrez! Ah. Un coup de fouet. Ils ont 100 000 PV, les mobs. Les nombres de PV qu'ils ont à peu près quand tu les affrontes en normal, niveau 60. Pour les mobs les plus faibles. En tout cas, je level up plus vite, c'est ça qui est cool. Et avec de la chance, j'ai plus de chances d'avoir de légendaire, donc c'est cool. Mais bon, niveau 41, à part des pouvoirs à mettre dans le cube, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. D'ailleurs, j'attends le niveau 60 pour mettre une couronne de Léoric et doubler mon XP. Non, il faut pas que je meure. Non, faut absolument pas que je meure pendant un demi-niveau. Non, casse-toi le chaman, casse-toi. Il y en a partout. Oh, il y a deux chamans. Elle va pas les avoir. Mourez tous! Il voit pas les chamans. Là, il y en a un. C'est bon, on peut nettoyer tranquillement maintenant. Allez, les émissaires de Bélial. Wouah! Plein de chamans. Notre âge fait quand même du 9000 de dégâts en. Si j'ai de la chance, en gros coup critique, j'ai vu un 10K, je sais pas pourquoi. Alors, le sud. Le sud, s'il vous plaît, le sud. C'est super mal. Dégage. Dégage, toi aussi. Oh, je suis mort. Oh, ça va, j'ai dépassé le. C'est pas grave. Je me suis fait gangbang. Putain, oh non, mais c'est un boss en plus. Oh vas-y, laisse tomber. C'est un boss, j'arriverai jamais à le tomber et c'est un chaman. Allez, encore un autre chaman, on est bien, qu'est-ce qu'on s'amuse. Ah, pourquoi j'ai décidé de jouer en T1? Ah, je peux même pas faire ce coffre maudit, il est trop dur. Et moi qui ai des fantômes. Mais non, j'ai des fantômes! Je voulais des fantômes! C'est vous! C'est moi jouer! Ah, réplique offensive, on va changer de compétence par contre. Alors, il me semble que j'ai eu un beau pouvoir là, donc ça c'est bien. Et il me semble que je suis en bas. Un, deux chamans de merde, cassez-vous.
Laissez-moi jouer. Vraiment, T1, ça monte tellement pas les niveaux, c'est chiant. La boufferie, mais. What? Ouais. Je crois que j'ai l'impression que j'étais en haut depuis le début. Non, c'est bon, j'étais en bas. Oh non! Oh non, il a gel en plus. Attends, il a orbital ou il a gel? Il a quoi? Il a les deux? Orage, onde gelée, d'accord. C'est rien. Tout va bien. Il a l'éclair et il a les bouboules. Ah bah ouais, tu m'étonnes que je meurs comme une merde. La foudre et tout. Dégage! Oh! Volvi, Volvi, Volvi! Je peux que mourir là! Le mec il me fait tourbilol! Pas passer, fuyons. Quand même réduire la difficulté, j'en ai un petit peu marre. Bon, je l'avais dit à l'avance, hein, le T1 dans l'Oasis, ça aurait été fun. Pas loupé. L'Oasis, c'est fun. Tout ça pour rien en plus. Aussi, quand même, j'ai pris deux cartouches. Il le développe. Ah, mine de rien, on le développe un peu plus vite. Bon, je vais redescendre au niveau difficile. D'ailleurs, les mobs augmentent leur difficulté de façon exponentielle en plus. Alors, 2,1, 0,6, ça dégage. Réduire la difficulté. Expert. Ah, la grotte de chute de glace. Donc c'est mort. Ah, il y a un gobelin quand même. Il y a un gobelin, hein, autant le faire. Bon, j'aimerais bien savoir où il est. Entendu, je veux te voir. T'es où? J'entends. Ok, un voleur de sang, alors ça c'est mauvais. Ah, je l'avais pas tapé avec. Ah, viens ici! Ah, dans l'autre sens. Chopez-le! Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle là-dessus, c'est que je vais avoir atteint les 500 limites. Le problème, c'est que comme je suis niveau 42, ça sert un peu à rien. Faut attendre les niveaux 70 pour que ça commence à être vraiment intéressant. Allez. Casse. Ouais, 486, donc le prochain gobelin. Et je vais devoir faire des allers-retours. Bon. On va voir si je peux maintenant me mettre en T5 ou T6 avec le public. Alors, est-ce qu'en T6, il y a du monde? Ouais, c'est complètement buggé là. 101, il n'y a personne. Arrêtez. En effet, il n'y a personne. En T5, il y a du monde. Évidemment que non. T4, 3 personnes. Je peux être la quatrième. Ah oui, je peux l'être. Allez, dis-moi qu'il y en a un beau là.
Oui, un 70. Oui, monsieur. Il y a bien un 70 qui va nous faire tout le travail. Très bien. Ça me plaît. Regardez comme c'est beau. M'étonne que je bouge pas. Oui, c'est pas intéressant à regarder, mais voilà, je level up, je suis très content. En plus, l'immortalité. Très bien. Et Deadpool est niveau 29. Voilà. Vous avez vu comment on fait? Hop, un troupier, paf. Alors, si vous plissez les yeux, vous pouvez voir au niveau de l'XP. Hein. Je suis à 3 cartouches. C'est le niveau 20 qui level up tout le temps. Oh, une impasse, quel dommage. Et lui, il gagne tranquillement son petit. Un petit casse-croûte. Et je comprends pas pourquoi ils font pas directement niveau 70. Niveau 70 normal, ça fait gagner plus d'XP normalement. Par contre, si le 70 n'a pas d'équipement, normalement il a 125 de parangon. Il doit avoir un peu de stuff. Je vais regarder un peu. Voir le profil. Ouais, il a un tout petit peu de stuff. Allez. Il aurait déjà dû finir son set de saison pour vraiment être au petit et faire du 70. Comme ça qu'on PL après derrière. Ok. Ah, le mec il a vraiment pas de chance. Il était juste là le. Il est juste passé par là. Oh cool. Pas pris. Hop, et on se TP. Allez, monsieur Feng Shui, on se TP. On se TP et on fuit. Voilà. Et lui, il fait le taf tranquillement. Quelques éclairs sans plus. Et en plus de ça, on va gagner plein de cristaux. On est très heureux. On va s'acheter plein d'armes. Hop, voilà. Excellent. Ah oui, ça monte très vite là. C'est pas intéressant à regarder, mais au moins. Un PL, hein. PL que de personnes que je connais pas, c'est nickel. Ça rattrape toute la journée que j'ai pas pu faire. Le gardien est arrivé! Donc il faut qu'il le tue. Hop, on se TP à côté. Quitte à mourir, c'est pas grave. Rien à foutre. Vas-y. Très bien, bravo. Bravo mon ami. Récupère quelques loot. On se dépêche un peu parce que. Voilà quoi. Acheter une arme. Waouh, super. Carry. Carry vert. Chaussures, j'ai. Yadala. Donne-moi une arme à deux mains. 30%. Merci. Pas de loot légendaire, pas de chance. Hein. Ça arrive. Hop, 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 hop. On retourne. On prend ses cristaux de sang. On laisse monsieur nettoyer. Nickel, un diamant. Vas-y. Tu fais ce que tu veux. Tu rentres, tu rends la quête. Tu rends pas la quête. Tu fais ce que tu veux. Ok, ça a l'air de vouloir. Ça a l'air de troller un petit peu là. Virgule 7, hop, ça dégage.
La thune! Vas-y, ramasse. Ramasse tout. 6,5 plus le châssis. Nickel. Hop, ça se dégage. Alors, ça, c'est quoi? Topaz. Topaz carré. Tac. Pantalon 1,4. Ça dégage. Alors, bien savoir. Ah, vous étiez bien lancé là. Ça retourne en ville. Ok. Ok. Ils ont pris comme des clodos. Il reste 25 niveaux quand même. Non, je comprends pas pourquoi c'est pas le contraire au niveau des pseudos. On voit Deadpool qui est un moine. Et on a Feng Shui qui a l'air d'être un croisé. Alors que Deadpool aurait été mieux en croisé et Feng Shui en moine. Quant à la dernière, c'est une nécromancienne, il me semble. Nécromant. Non, c'est. Ah, c'est une croisée, merde. Bah, c'est bien sans être bien, c'est pour lui, hein. D'accord que lui, c'est un croisé, lui aussi, ouais. Donc, lui, il va pouvoir se stuffer grâce à... S'ils sont ensemble, c'est nickel. Par contre, Deadpool, à part moi qui peux lui donner des trucs, il joue sur la J, il me semble, voilà, la dextérité. Mais bon, moi, je lui donnerai que des brassards ou autres, sans plus, hein. J'espère que je vais lui faire plaisir. Par contre, vous êtes des pollueurs. Stuff blanc et gris. Et transparent parce que je peux pas ramasser. C'est dégueulasse. Par contre, vous êtes niveau 40, hein, c'est un PL, c'est pas. Regardez dans le blanc des yeux, ils sont en train de se stuffer, on sait pas pourquoi. Arrêtez de vous stuffer! On se stuff au niveau 70, les gens. Nel. En plus, c'est Sinel qui donne du stuff. Pourquoi? Pourquoi donner du stuff? Pourquoi? Oh, ça, c'est bien. On est en train de le payer en. Vous n'avez pas eu de légendaire, je vous banne. C'est pas ban, c'est kick. C'est moi qui ai le plus de PV avec 18 000. Sinon, 18 400. 18 700. Je gagne un peu plus que. Non, on est du même niveau, je crois, Feng Shui. Ça, c'est le passage vraiment inutile du jeu. On sait pas pourquoi il s'amuse à. Il s'amuse à le stuffer, sachant que dans une faille exactement, hein, même pas, son stuff va être obsolète. En attendant, moi j'ai doublé mes dégâts et ma robustesse c'est très faible. 45 T4, c'est moche. Oh, tu vas pas me dire que t'es en train de tout dépenser de Kadala? Ou pas? Surtout pas. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu dépenses? Feng Shui. Bon, je veux bien le faire au moins juste une fois. Sauf si ça pèle pas. Je prends des risques en faisant ça parce que là, ils ont l'air d'être vraiment de tension. Mais ce que j'ai gagné en temps pendant la faille, c'est ce que
Est-ce qu'on est en train de perdre là bêtement? Je pense que d'ici quelques minutes, je regrette d'avoir choisi ce groupe-là. Ils n'ont toujours pas rendu la faille en plus. Un groupe plein d'espoir, mais pourtant ce n'est pas une phase de PL. Ah ouais. Bam, level up. En plus, je me fais du périple sans le vouloir. Oh là là. Alors, est-ce que je peux... La première fois que vous mourrez, c'est où? Non, c'est là. Je peux pas. Le tir multiple, feu à volonté, est très bien. La sentinelle, chaîne. Tourelle crache-feu, c'est mieux. Le tir de répli avec tir de couverture. Non. Augmente les lines. Voilà, c'est ce que je voulais. La prépa, elle est très bien. Le corbac, il est très bien. Ok, c'est bon. Même si ça sert pas trop. Malheureusement, on est trop dépendant de notre ami Sinaël. Bien que Sinaël bouge son cul un petit peu. Dans une faille ou deux, là, de passer niveau 50, on est bien. Salut tout le monde, ça faisait longtemps. Avec niveau 18. Non! FDP! Tu es parti! Me déçois. Pourquoi est-il parti? C'était un si beau groupe. J'ai perdu tellement de temps après. Pourquoi il y a autant de monde dans T4? C'est pas vrai, vous êtes des menteuses. Ah, le 36 par contre, ouais. 36, ça a l'air bien parti. Je veux être PL. On était bien là. Et c'était le risque, hein. J'ai dépensé 150 cristaux de sang de Kadala en espérant que ça se fasse PL et du coup que j'enchaînais les cristaux de sang. Et là, ben, j'ai un gros trou à combler. Le but, c'est qu'au niveau 70, je commence à dépenser. Tentative de création. Non, je veux pas. Non, je veux pas. C'est que ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux pas jouer tout seul. Bon, T6, il y a du monde. Deux. Oh, ça a l'air bon. Allez, deux. Le sens bien, ça doit être nos deux amis en plus. Allez. Allez. Dans 15 secondes. Raté. Dommage. Dommage. Alors T5, il n'y a plus personne évidemment. T4, il y a énormément de monde, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça a l'air pas vrai du tout. Ok, ça dégage. T3, il y a du monde ou pas? Non. T2. Bon, T2, il y a du monde normalement. T2, c'est rigolo. T2, niveau 46, là, il y a du monde. Arrêtez. Arrêtez, il y a du monde. T1, ça sert à rien. T1, bon. Allez, hop. Difficulté difficile pour monsieur en solo. On va aller vérifier si on peut avoir des loots pour le bâton de Bouvier. Comme je le disais, j'ai doublé mes dégâts, hein, ça se voit tout de suite. Là, je suis passé à 20 000. Ok, ça c'est l'entrée, nickel. Mob en mode difficile ont 37 000 PV. Tranquille. Et son petit bonhomme de chemin, en plus on va level up, on est très bien. Ah, ça va être... ouais, ça c'est bon ça. Ça, c'est bon ça. Champignons, c'est bon ça. Et de 1.
N'est-ce pas? Un petit level up 47. Allez. J'ai plus besoin d'aller à la cathédrale déjà, c'est une bonne nouvelle. C'est celui où je sais pas exactement où ils sont à chaque fois, donc c'est cool. Oh la sale bête! Pas de chance, on est en difficile. Un carquois légendaire! Trop bien. C'est pas celui que je veux, mais c'est un carquois légendaire. Allez, plus 6%. Chance de transpercer avec chaise vo flèche vorace. Comme par hasard, je l'utilise plus. Dommage. Alors, hein. Évidemment que non. Hein. Là, c'est un putain de miracle que je les ai tous d'un seul coup. Allez, l'oasis, on est bien. Allez, je le sens bien, l'oasis. Allez. Oh là là, déjà, ouais, ça c'est bien. Et là, on va faire du 30 004 dégâts, là. Bim. Ah, quand même, 104 000. Hein. C'est moins que tout à l'heure, mais on n'est pas loin quand même, hein, en 4 niveaux. Ça montre bien qu'à partir du niveau 50, ça devient vraiment pénible. Surtout quand vous jouez en difficulté extrême. Cette époque incroyable, on était obligé de monter un perso 70 en difficulté extrême. Le mode hardcore. Obligé de jouer en normal et prier. Mais bon, sûr, la prochaine fois, je jouerai avec un féticheur ou un nécromant. Ça, on va faire varier les héros. Peut toujours le faire pour la semaine prochaine. Ah bon, monter un perso niveau 70. Monter une des gemmes légendaires niveau 25 minimum avec une arme que tout le monde peut porter. Il est faux, hein. J'ai juste un peu deck que je peux pas encore jouer. Le croiser de la façon que je veux, vu qu'il est plus du tout intéressant. Non, boss! Casse-toi! Vilain le boss, vilain. Bouh! Plus de haine. Les plus de haine. À mort. Pardon. Ah bah non, l'oasis, y a toujours rien. Oh, j'ai pas de chance. Bon, acte 3, le pont. Ça a l'air mal parti de ce côté-là. Ok, l'autre côté. Tout dur, 1% de dégâts. Et petite précision d'ailleurs pour les loots.
À partir du niveau 60, tous les loots sont intéressants à récupérer à chaque niveau. Et que d'un niveau sur l'autre, le loot, il est énorme. Caverne du givre? Ouais, c'est bon. Deuxième tentative. La caverne du givre. Aïe! Dégagez. Dégage. Alors, je rappelle, pour le bâton du Bouvier, c'est le niveau 2 de la caverne du givre. Et il faut que je trouve un certain Shilata. Malheureusement, on a eu de la chance une fois, mais elle n'a pas voulu donner ce que je voulais. Oui, parce que même en ayant le bon endroit et que le mob soit là, il y a encore des chances pour qu'il ne droppe pas l'objet qu'on veut. Et il faut savoir que c'est le plus dur à avoir pour le bâton du Bouvier, c'est celui-là. Même celui de l'Oasis, c'est beaucoup plus simple. Et en règle générale, à chaque fois que j'ai eu ce que je voulais à l'Oasis, derrière, on m'embêtait pas trop, j'avais tout du premier coup. Là vraiment il faut enchaîner, il faut déjà tomber sur la bonne caverne, il y en a deux hein. Il y a la caverne du givre et il y a les grottes de glace. J'ai déjà une chance sur deux en quelque sorte hein. Il y en a toujours moins un des deux qui proc. Après il faut aller au niveau 2, prier que le boss soit là, donc Shilata. Ouais, c'est Shilata là. Boomerang. Hop! C'est pas lourd, j'ai pas de carré au niveau vert. Je les ai déjà utilisés. J'aurais optimisé mes dégâts, c'est dommage. C'est pas vrai, allez! Par là. Allez, le boss. Déjà, il faut le trouver s'il est là. Surtout prier qu'il soit là. Là, le problème. Non, ça c'est Zelua, c'est pas le bon. Ne vous inquiétez pas. En général, je crois que lui, il y est quasiment tout le temps. Pas sûr, mais c'est pas parce que lui il est là que nous tenez pas là hein. Les deux peuvent proc et coffre, ça c'est bien. On a dû fouiller jusqu'au bout la dernière fois. De l'émeraude plus 30 de dextérité, trop bien. Un casque qui m'emmerde un peu. Celui-là m'emmerde beaucoup moins, mais j'ai plus de rouge carré donc pour 8% je veux bien le prendre. Et lui, il faudrait un rouge aussi, mais dommage. Ah, ça, c'est l'élite. Au moins, le minimum qu'il y a dans cette grotte, c'est un élite jaune. Et il y a le trou de ver maintenant. Cinq pour cent de dégâts, je prends. Mais jusqu'au bout quand même. Il faut les trouver les boss. Ou qu'il est le boss. Ah, c'est mauvais signe là. C'est pas là. Donc, il y a encore de la place.
J'espère pas trop, là là, on arrive au bout normalement. Encore 3 mobs. Et pas là. Bon. Ce qui va se passer, c'est que vu l'heure, je vais faire déjà la première coupure, et oui. Déjà 10 niveaux de montée. Donc si tout va bien, je vais essayer de chercher quand même un groupe et prier que ça aille jusqu'au bout. À tout de suite les gens.